Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lice et pas de duplex, puisque le temps de connecter le bon cendre, eh bien, la lice avait commencé, évidemment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous dit OBS? Bon, il me dit que ça a l'air d'aller à peu près correctement. Bon, au moins, je pourrais me concentrer sur un compte. Et peut-être qu'on aura moins de chances de faire des misplays. Potentiellement. Je dis bien potentiellement parce que bon. Attention tout de même. Ok. Pourquoi je tente une double? Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Voilà, c'est incroyable. Ok. Let's go. Ouais, tu tiens un tout petit peu sur l'offensive. Le shuriken. Ah. Allez, on va flex avec le main feu peut-être. Et pourquoi je fais ça? Je crois que je suis en train de perdre du temps. Bon. Pardon. Excusez-moi. Ok, on va donc faire autrement. Ah mince, dommage. Okay, bon, j'ai essayé de cliquer sur quelqu'un ou quelque chose. Ok. Ça me va, ça me convient. Tout à fait. Et on va faire ça comme ça. Oui. Mettre la barrière, mine de rien. J'imagine que c'est du kiff-kiff. Quoique, est-ce qu'il fallait pas attendre, mine de rien, le. Pour deux. Ouais, je pense que lancer des ultis, peut-être que ça ralentit plus que ça n'accélère. Et c'est vrai que la lice, c'est un peu une course contre la montre dans la mesure où il faut être le plus rapide possible, hein, bien sûr, bien évidemment. Allez, le petit main foudre. Il se baladait. J'ai lancé les loups directement. Bon, on a donné 46 autos au Kakashi Ete, mais... vous inquiétez pas, c'est maîtrisé. On va le paralyser d'ailleurs, histoire d'éviter qu'il nous embête. Voilà, parfait. Ok, bon, finalement le crit qui en vient à bout. Ok. Ok, bon, bah, je continue, hein. Je continue de tout donner, bien sûr, forcément. Ah, quand ça va là, il peut taper directement dans. Allez, là où ça fait mal, bien évidemment. Hop là, la double qui fait le travail. Je crois que je suis le seul à appeler ça la double, mais. On va dire que c'est ok. Ah oui, ah, c'est un mode de guild. Ah, puis je pense qu'il va gagner, hein, il va gagner, oui, très certainement. Là, on peut aussi se passer avec la team de l'angoisse à affronter, la team du retournement de situation. Ouais,
que lancer l'outil? Est-ce que c'était vraiment une si bonne idée que ça? Sans doute que non en vrai, mais. Bon. On l'a fait, c'est comme ça. Ok, on s'est débarrassé du militaire pour la première fois. Il va potentiellement revenir, hein, évidemment, le coquin, donc forcément. Forcément, ça peut poser des problèmes techniques. Il a la première attaque. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok, donc effectivement, nous avons bien à faire une défaite. C'est officiel. Très bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retourner la situation d'affaire? Allez, je... Bon, la bonne nouvelle, c'est que... C'est qu'il a pas cut le Madara et je lui ai pas donné de nouvelle auto ou quoi. Attention quand même. Je pense qu'il faut que je lance un multi. Que tout le monde est réapparu. Ah, ça va être complexe de s'en sortir. Ça va être complexe. Mais bon. On peut peut-être s'en sortir malgré tout. Quoi qu'il se passe. Le premier Kakuzu. Enfin, la première résurrection est passée, donc là ça va être la seconde. Ah, il faut aussi prendre en considération le fait que notre Péance ne fait pas one shot par les dégâts de promotion. Ce qui peut arriver, bien sûr. On va lancer Madara, donc du coup, la deuxième résurrection est passée pour l'équipe de Vivis. Il manquera plus que la troisième. Et enfin, on pourra peut-être réaliser de belles choses, de grandes choses peut-être. Peut-être. Directement sur le Madara, je vais lancer l'outil Sasori. En espérant que ça se passe bien. Il faut aider un maximum le Madara. Bon, certes, on donne des autos mais. C'est un peu compliqué. On lance l'ulti Madara puisque dans le doute il y avait Obito qui aurait pu lancer son propre ulti, donc du coup ça aurait simulé la perte du combat, donc bon. J'ai fait la chose suivante. Ok, bon, il y a plein de tours. Très bien. Ça esquive de partout. Et... Alors attention tout de même. Il va gagner pour tout comme lui. C'est vrai que non. Je perds sa souris. Bon. Là, la valse du Kakuzu c'est terminé. Je dépense l'esquive et ensuite j'essaye d'infliger des dégâts avec mon outil. Ok, il manque encore un peu plus de dégâts. Notamment si. s'il s'amuse forcément. Bien évidemment. Pour que j'ai gagné des points de vie. On va pas réussir à s'en sortir. Donc, du coup, j'envoie la double. Évidemment, c'est dans l'espoir de faire des dégâts, bien sûr. 32 minutes. Allez, un ulti peut-être. A chaque fois que j'ulti, ça augmente mes statistiques offensives, donc ça va peut-être passer au bout d'un petit moment. 32 minutes. 3000 points de vie.
Oh, le 15 000 en crit là qui a fait du bien. Incroyable. C'est donc une victoire. Ok, Synchro, c'est quelqu'un de la guilde. Ça va être essai. On va à nouveau faire la même technique. Ce serait formidable que. Bon, il manque. Il manque 800 points de dégâts pour faire quelque chose tout à fait parfait. On va envoyer la... On va envoyer Sasori pour la pour les doubles autos, bien sûr. Ok, victoire. C'est Orest à... Ouais, ça doit être Orest. Ça doit être Orest. Donc quelqu'un de la guilde, donc on va essayer d'affronter quelqu'un d'autre. Ok, là j'ai littéralement cliqué dans le tas. On verra bien ce qui se passe. Albatop. Attention tout de même parce que... Oulala, là là, qui a la priorité avec le Madara? Je pense que celui qui a la priorité gagne le match, hein, de manière assez évidente en vrai. Okay. Je suis autorisé à lancer des ultis, c'est tout à fait, dans mon choix. Ok, on a la première attaque, donc ça évidemment c'est formidable. Allez, on va tester un petit peu l'offensive. Tant qu'à faire. Voilà, on dit une toquée, ça c'est bien. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Okay. Normalement, voilà, le Roshimon est toujours dans son état de sommeil. Il va pas pouvoir poser Tobirama notamment. Ça va fortement vous arranger. On va faire attention au tour 3. Je crains fort que notre ami invoque Ashirama. Ok, peut-être pas du coup. Je peux tenter éventuellement de lancer l'outil du même feu pour. Ah, il s'est fait contrôler. Ah oui, d'accord. Le contrôle a été plus qu'efficace, mine de rien. Bon, on essaye de lancer tout ce qu'on peut. Voit quand même de gros dégâts. Il y a l'avantage en combativité, mais bon, vu que j'ai l'avantage en première attaque, ça peut le faire. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais. Certes, j'aurais peut-être pu attendre que le Itachi soit là pour que il parvienne le Itachi également. Ah. Là je peux pas lancer l'ulti du Madara. Il faut résister. Attention aux dégâts de commotion. Ça peut être extrêmement violent, donc attention tout de même. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut. Ouais, je tente de 4 le Roshipao. Non, ça va pas être possible. Bon, tant pis, c'est pas grave. On est toujours debout, c'est le principal. Madara quand même. Il est presque au top de ses points de vie, donc ça c'est pas mal. Enfin, le Roshimaru n'est plus une menace à ce niveau-là. Et il n'y aura plus de Kage sur le terrain de son côté. Donc, honnêtement, bon, le Roshimaru n'est plus une menace véritablement. Il peut nous embêter à rigueur avec cette poursuite qui provoque, je crois, l'état de faiblesse, mais bon. Grosso modo, on a vu un petit peu plus menaçant. Ok, victoire, c'est très bien. Je crois qu'il s'agit de Seb. On va essayer de l'affronter. Et je vais utiliser l'outil sur Kizame parce que sinon le petit malin
va augmenter mes dépenses de chakra de Madara Edo, donc ça forcément ça va pas me plaire. Ok. Bon. Ouais, il va me faire tout de suite, je pense. Tant qu'à faire, autant tout donner. Ok, c'est très bien. Voilà, parfait. Les dégâts sont présents. C'est formidable. Ok, là quelqu'un m'a agressé. Ok. Oshigaki Goku lui. Ok. Donc j'ai la première attaque. Il possède un Naruto en face. Donc on n'est pas très content si on utilise nos ultis. Je vais prendre la réaction de résistance. Donc là c'est pour éviter de se faire one shot par les dégâts de commotion du Sasori quoi. Ok. Très bien. Pour l'instant, je. Ok. Je garde l'ulti Madara pour le tour 2. Allez, en avant, c'est parti. On va commencer à installer notre plan de jeu. Alors, voyons voir les dégâts qu'on peut infliger. Ce serait pas mal qu'on fasse de gros dégâts. Ah oui, d'accord. Ok, on s'est débarrassé de ces trois supports, mais attention, le plus que rien s'est resté debout. Donc, on va passer une auto 6 pass, donc attention tout de même. Ok, on fait quand même de sacrées bonnes autos, mais attention tout de même. Ok, je pense qu'on va pas tenter le diable à lancer des ultis. Ce tour-ci, que si jamais le Naruto commence à scale, bon, au bout d'un moment, ça peut être potentiellement compliqué. Je vais essayer d'immobiliser le Naruto adverse. Bon, l'esquive a été dépensée, donc autant aller avec l'ulti Madara. Je cherchais à dépenser l'esquive avec la baisse d'autocrit, mais finalement mon Madara a attaqué avant. Donc là on peut essayer d'appuyer un petit peu notre offensive. Le Naruto immobilisé, donc c'est le moment de lancer nos ultis. Ok, finalement Itachi a réussi à remporter la victoire, bravo à lui. Ok, je sens qu'il va se passer un truc à mon désavantage, donc let's go. Ah, Vulis le retour. Ah mince. Okay, le combat est plus compliqué, bien sûr. Il avait la première attaque. Ça, évidemment, faut pas l'oublier, ça. Donc si on a la possibilité éventuellement de lancer Madara au premier tour, comme ça, il faut le faire. Mmh. Ok, bon, on avait gagné, mais le combat, c'était un combat de longue haleine. Oula! Bon, déjà, on perd le main. Alors, comme ça, allez, on lance Madara. Ah, non. Ok, j'ai pas appuyé frénétiquement sur le bouton. Cette fois-ci, ça va peut-être passer. Alors. J'ai l'impression que ça crit de manière assez énervée. Peut-être que il y a des bonus de rage, etc. Et que du coup, je vais pas m'en sortir. Ah, c'est possiblement ce qui va se passer. Attention, dégâts de commotion, là ça va. Au bon sang. On est potentiellement tombé. Il faut que j'appuie sur l'ulti Madara comme un dératé. Dans l'espoir de cut le. D'accord. Bah du coup il s'acharne sur le pauvre Sasori. Heureusement pour nous. Je pense qu'il doit être en mode automatique, mais bon. Compliqué tout de même. Ok.
On continue l'offensive. Allez. Oula, les dégâts de commotion, attention. Bah, il faut relancer Madara. J'ai pas le temps pour essayer de dépenser l'esquive du Naruto, il faut que je lance tout de suite. Parce que de toute façon, l'auto aura tapé contre le même terme, donc pas forcément ce qui nous arrange. Ok. Allez, on va essayer de lancer l'ulti Sasori tout de même. Je pense qu'il va cibler mon Madara vu que c'était le seul qui était en vie. Okay. Étant donné qu'il a ciblé mon Madara, je pense que du coup il aura assez peu de dégâts qui vont rentrer. Quelque part, mon Madara a tenté pour mon Sasori. Ah, je peux pas non plus attendre ou quoi. Je lance l'ulti Madara. Je crois qu'on est à la deuxième résurrection de l'équipe. Attention, attention tout de même. Oh. Mobilisation comme ça, directement. Alors, voyons voir. Oh oh. Ouh là là, il cible. Ça sourit. 51 000 points de vie, attention quand même. Alors c'est l'ulti du coup, vu que Kakuzu a resté, enfin, comment dirais-je, a réussi à céder l'équipe en face. Ok. On a gagné un petit peu de points de vie, mais attention tout de même là, parce que... attention, attention. Hein. Oh. À combien? 66 000. Ah, sur un crit, hein, les dégâts de commotion, ça peut être suffisant là. Oula. Ok. On est potentiellement sauvé par le gong. Ce qui est quand même assez incroyable. Ok. Bah très bien. Donc c'est quel camp qui a gagné? Il s'agit du Mont. Ah oui, il est de beaucoup, et ben dis donc. Au niveau de la grotte, je suis troisième du camp. Ça, c'est quand même assez incroyable. Évidemment, on reconnaît les mêmes têtes que d'habitude. Forêt, d'accord. Et donc, du coup, au Mont, il y avait qui? Ah oui, il y avait Ishii, Pain, Cryo et Consort, bien sûr. Voilà, c'est incroyable. Ok, ok. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.